Cela fera 100 ans cette année que le concours Miss France a été créé, une longévité qui en fait le plus ancien concours de beauté au monde, toujours en activité. Nous sommes arrivés maintenant à donner une notoriété à l'élection Miss France. C'est en 1920 que cette cérémonie voit le jour pour la toute première fois, d'abord sous le nom La plus belle femme de France. Il faudra attendre 1987 pour que la cérémonie soit télévisée. Cette année est donc une année importante pour le comité Miss France qui avait pour ambition d'organiser l'événement le 12 décembre prochain. Sauf que voilà, avec le confinement et les incertitudes concernant le virus, le comité a fait le choix de reporter l'événement au 19 décembre, soit une semaine plus tard. Très impatiente, alors, très ouais. Impatiente. Un changement très léger qui montre l'optimisme de Sylvie Tellier. Je me suis dit, allez go, faut y aller. On sait déjà que cette année, le jury ne sera composé que d'anciennes Miss, de quoi relancer la rivalité légendaire qui existe entre plusieurs de ces reines de beauté. C'est pour faire un petit peu de buzz. Du côté des audiences, la cérémonie se porte bien, mais son coût est exorbitant. La société Miss France facturerait chaque année 2,7 millions d'euros à TF1. C'est quand même assez grave. Dernier point, cette cérémonie devrait se dérouler au Puy du Fou, mais comment faire avec le public? Date repoussée, engagements financiers colossaux, incertitudes. Alors Miss France, le concours doit-il être annulé? Delphine Vespizer, Miss France 2012, est avec nous pour en parler. Elle est avec nous pour parler bien sûr de l'émission magique, elle est là avec nous. Elle était déjà prévue en fait Delphine avant même qu'on passe au sujet. Hein. Elle était déjà prévue d'être avec nous ce soir. Okay, donc okay. En plus c'est un hasard, hein. Et c'est un heureux hasard. Alors, est-ce que le concours Miss France doit-il être annulé? Gilles Verdez, vous avez des infos exclusives que vous nous donnerez bien entendu courant de semaine prochaine. Non, vous allez donner dans un instant. Non, oui, non, il ne faut pas l'annuler, honnêtement. Non, mais... pas en ce moment, les gens ont besoin de ça. Alors qu'il y ait du public ou pas, c'est un spectacle pour les gens qui regardent la télévision, encore une fois. C'est ceux qui sont chez eux qui vont être punis. Donc oui, non, il faut qu'il y ait cette cérémonie. Je suis content de voir Foucault, c'est une très bonne chose. Après, bon, il y aura moins de public, c'est pas très grave. On oui, colonel fou. Moutard. Je l'attendais. Non, moi je pense pas qu'il faut l'annuler. Moi je propose Miss Hologramme. Parce qu'il faut absolument pas l'annuler, parce que je pense que les gens en ont besoin, bah oui. Justement. Donc les gens, en fait, elles viennent pas, mais on les a en hologramme. Exactement, comme c'est Jean-Luc ça la nouvelle Mélenchon. Technologie. Parce que là, malheureusement, même si la date est prévue, oui, hors confinement, admettons, on est déconfiné et il y a l'élection. Et ben moi, je pense que c'est pas une bonne idée, parce que le but de se déconfiner, c'est de bien se déconfiner et pas faire la même erreur qu'au mois de mars. Pas mal. Donc je pense qu'on devrait, mais... si ça doit avoir lieu pour les gens, on fait mise en hologramme. Ok, c'est milieu. Il y aura Kindy qui veut parler. les chaussettes. Oui, Bernikov, Nicolas. Juste un truc, les Miss France, c'est un des shows événementiels comme l'Eurovision. On a besoin de paillettes, on a besoin de voir les filles qui voyagent aux Caraïbes avec les petits portraits des filles. Elles diront pas aux Caraïbes. Il n'y a pas de public, il n'y a rien. Y a pas de c'est plus un événement, il n'y a pas de Caraïbes. Donc pourquoi, quel est l'intérêt de regarder les Caraïbes? Il paraît qu'il faut mettre du Caraïbos dans la boisson. Ah oui. Le public comprend pas mal. Vous êtes au courant qu'il y a un virus ici, donc je suis désolée. Non, mais c'est pas possible, vous vous rendez compte? Ils veulent absolument un public. Pourquoi est-ce que les Energy Music Awards, ce sera le 5 décembre, ce sera sans public et eux, ils auront le droit? Non, mais alors? Mais non, je suis pas d'accord. Vous vous rendez compte? Les 29 prétendantes au titre, le public, il y aura aussi tout le comité Miss France, au moins 80 personnes. Elle veut ramener en plus Sylvie Tellier, 30 anciennes Miss. Et d'ailleurs, elles veulent boycotter cette invitation. Elles veulent boycotter? Donc vous imaginez dans la salle des mousquetaires, au Puy du Fou. Sylvie Tellier va arriver avec un bus avec 30 Miss. Oui, 30 anciennes Miss. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, elles veulent boycotter. Boudin, elle sera le chauffeur. Hein. Mais non, mais c'est pas possible. Ça fait beaucoup trop de monde. Il suffit d'une personne infectée et c'est l'effet domino et la propagation du virus. Mais non. Moi, j'ai envie d'avoir la vie de Delphine quand même. Oui, alors, donc juste avant, j'avais la chargée de communication de chez Miss France qui m'a dit que, d'une, elle comprenait pas cette date parce que ni Miss France ni TF1 n'a validé ni le 12 décembre ni le 19. Et apparemment, ça vient du Parisien, du journal Le Parisien, donc ils comprennent pas. Et ensuite, Miss France respectera le soir de l'événement, respectera toutes les consignes en termes sanitaires. Donc voilà. Donc pour l'instant, on parle pas du tout de public. Ce sera en fonction lorsqu'on s'approchera de la date. Alors, Jean-Michel, je sais que c'est votre émission préférée. Exactement. Et moi, j'ai eu personne du comité, donc en toute objectivité, je peux vous dire que s'il y a bien une émission dont on se fout qu'il y ait du public ou pas, c'est une émission où ça rien. L'élection, on s'en fout complètement. Même le jury, on s'en fout. Il n'y aurait pas de jury, pas de public. C'est une émission, on regarde, on vote pour notre région, etc. C'est un spectacle comme ça. Il y a pas besoin de. Absolument. Oui, le public, c'est important pour les filles. Non, mais... oui. Ah, moi, je suis absolument d'accord pour une fois avec mon ami Jean-Michel Maire. Moi, le truc de Miss France, c'est qu'il y a du public. Moi, je regarde les nanas. Mais Je veux dire tout. Elles sont jolies, hein, la preuve. Oui, bien sûr. Mais voilà, mais au moins, tu regardes des belles femmes, ça change les têtes de con qu'on voit à longueur de journée. Ah, merci. Alors, vous dites ça pour moi, c'est pas très sympa. Les 30, comme dit Kenny, elles peuvent être, dans des écrans, où on voudra. Mais les Miss, il faut qu'elles soient devant nous, bien en paillettes et tout. Et effectivement, le public, on s'en tamponne. Alors, oui, alors c'est-à-dire qu'on peut pas, parce que le problème, c'est qu'il y a besoin de beaucoup de staff. Il y a besoin de maquilleuses, d'habilleuses, de caméramans. Voilà, a priori, je vous le dis. C'est sûr, même. Donc, c'est confirmé pour le 19 décembre. Bah oui, voilà. Miss France se passera bien le 19 décembre. Ça a été confirmé, en c'est direct. Sûr.
Ce sera en direct, 19 décembre. J'espère que ce ne sera pas la dernière de Jean-Pierre. Parce que Jean-Pierre, j'espère, voilà, s'il peut m'appeler ou s'il peut me dire par SMS, il y a une rumeur qui dit que Jean-Pierre voudrait faire sa dernière, parce que c'est les 100 ans de Miss France, et qu'il dirait pour terminer, voilà, pour les 100 ans de Miss France. En tout cas, Jean-Pierre, si c'est ta décision, sache que je ne suis pas d'accord. Et nous, personne ici n'est d'accord. On veut que tu continues. Gilles Verdez, les infos sur Miss France. Alors effectivement, ce sera le 19 décembre. Donc le comité Miss France a proposé ça à TF1 qui a accepté. L'idée, c'est que peut-être le 19 décembre, il y aura eu un déconfinement. Ça permettrait, les vacances de Noël, la trêve. C'est ce qu'ont dit les gens. Ils ont dit peut-être qu'il y aura, en fait, Miss France. Et grâce au concours Miss France, on va peut-être savoir quand il y aura le déconfinement. Voilà. C'est ce que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux. Je dis, les gens sont trop forts. Voilà. Ils ont dit, ah, il y a le concours Miss France 19 décembre. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'ils ont des infos qu'on n'a pas? Comme avec Disney. Bah ouais, c'est ça. Alors, les Miss sont convoquées 2 semaines et demie avant à Paris, toutes les candidates. Elles seront testées, puis emmenées au Puy du Fou et placées. Elles seront testées par qui? Ah bah c'est les tests. D'accord. Par Raoult, par Didier Raoult, oui. Et placé 7 jours à l'isolement. D'accord. Il y aura pas. Il y aura. Ouais. Donc on les met directement en prison. À Fleury. Dans une chambre. Donc à Fleury. Chambre. D'accord. Très bien. C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils ont gardé depuis du fou, parce qu'il y a des chambres individuelles possibles. Donc il y aura. J'ai une chambre chez moi, hein, s'il veut. Il a une chambre chez lui, c'est vrai. Jean-Michel Mercier veut être à l'isolement, je vais vous dire. Hein. Alors il y a beaucoup de polémiques quand même, parce que c'est les 100 ans de Miss France. Bah oui. Et beaucoup de Miss vont effectivement décider de ne pas y aller parce que le comité Miss France boycotte ostensiblement Xavier et Geneviève de Fontenay. Et Sylvie Tellier fait semblant de vouloir inviter Geneviève de Fontenay. Donc j'ai vu un échange de propos entre Sylvie Tellier et Geneviève de Fontenay. Il disait quoi? Sylvie... Oh, yo, ça va? C'est un... Bien, et toi? C'est le ton. Sylvie Tellier dit à Geneviève de Fontenay, vous voyez, il est derrière vous. Ah oui. Je me rends compte, ça c'est Sylvie Tellier à Geneviève de Fontenay. Vous qui êtes parti en claquant la porte, alors arrêtez d'essayer de me donner des leçons et encore moins de m'insulter. Vous avez dépassé les bornes. Je me rends compte que vous êtes une personne méchante qui ne vit que dans la rancœur. Vous voyez? Ça c'est donc Sylvie Tellier. Exactement. Et elle a répondu, Geneviève? Elle n'a pas répondu à ça. Quand j'étais élu. Hein. Non, mais quand même. Pas là pour s'ouvrir. Moi, j'ai pas montré mon fricheté. Hein. Moi, c'est une grosse hypocrisie quand elle dit espérer que Geneviève de Fontenay vienne, oui, parce que vous voyez alors, ça. Mais moi, je n'étais pas là pour montrer mon fricheté à tout le monde. Alors ensuite, il y a quand même une vraie polémique sur la photo. Je ne sais pas si vous étiez à la fameuse photo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de photo? Alors, il y a une photo de classe de Miss? Oui. Oh, sur 2 jours. Début de semaine dernière, à la Plaine Saint-Denis, vous voyez derrière vous. Ah ouais. Oh là 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 là. Voilà. Ah oui. Sympa. Début de semaine dernière, à la Plaine Saint-Denis, nous étions en plein confinement. D'accord. Cette photo n'aurait jamais dû avoir lieu. Oulolo. Parce que le comité Miss France s'est rendu compte que c'était une énorme erreur. Tous ces gens-là, regardez, il y en a qui ne sont pas masqués, n'auraient jamais dû être là. Il y a des risques majeurs. Du coup, des Miss plus âgées ont dit « Moi, je n'y vais plus, c'est terminé, on nous fait prendre des risques. Oh » Et le comité Miss France, qui a vu que ça se passait mal, sur, je ne sais pas si vous êtes, ma chère Delphine, sur la messagerie WhatsApp avec les anciennes Miss, si vous êtes sur le WhatsApp, vous avez vu ce message. Voilà. C'est presque un ordre du comité Miss France qui dit texto, à vous, aucune communication ne devra avoir lieu sur cette photo. Non, vous y étiez? Oui. Oh là 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 là. Alors, je finis ma phrase. Donc cette photo, on a mis le doigt sur quelque chose qui fait mal. Ah oui. J'ai même Christophe Maé qui m'a envoyé « Ça fait mal !» Oui. Par respect pour les gens confinés qui n'ont pas d'autorisation de travail. Donc le comité Miss France vous demande presque de dire que vous avez pris cette photo il y a plusieurs semaines parce qu'ils sont en difficulté. Alors Delphine, vous n'êtes pas venue ici pour ça. Mais Delphine... Je suis venue pour les petits magiciens, voilà. Mais je vais quand même vous répondre. Alors Gilles, moi je suis ravie qu'on se revoie et tout. Voilà. Aussi, mais par contre, faut pas lancer des phrases comme ça parce qu'on s'est toutes fait tester. D'ailleurs, c'était très désagréable. Tout le monde s'est fait tester. Ah, heureusement. Mais voilà, donc on s'est fait tester. C'était en comité très très réduit, oui. Même si, voilà, mais on s'est toutes fait tester, on était toutes négatives. Et en plus de ça, pendant le confinement, les tournages ne sont pas interdits. Et on a respecté, on avait les masques. Non, il n'y a pas de masque là, regardez. Pas pour cette photo, parce que si on avait fait la photo, si on avait fait pour les 100 ans. Il y avait du maquillage et des coiffures. Il y en avait, oui. Et toutes les maquilleuses... Ce qui a posé problème, ma chère. Maquilleurs, coiffeurs étaient masqués. Ah oui, ah bah heureusement qu'ils étaient testés quand même. Mais enfin, vous rendez compte, on fait venir plein de gens, etc. Bien sûr qu'on n'aurait pas pu faire une photo avec des masques. Et encore une fois, toutes les mesures sanitaires ont été respectées, ont été toutes pas positives, en fait. Bonne enquête de Gilles Verdez, quand même, les mecs. Gilles Verdez a les bonnes infos, Delphine. Très bonnes infos. Non, j'ai l'impression qu'il était dans le groupe WhatsApp. Mais il était, regardez, c'était lui, là, c'est lui, là. Lui, Dodo, là, c'est lui. C'est Gilles Verdez, là, les gars. Si vous le voyez, c'est Gilles Verdez, on le reconnaît, regardez. Non, mais c'est vrai. On était en comité
restreint et tout le monde a été testé. On a respecté au mieux qu'on pouvait toutes les. Eh ben, en tout cas, il est passé incognito, le gars. Hein, le mec, regardez, hein, lui tend les trucs. C'est vrai, non, on dirait toi. Ah, mais c'est vrai, on dirait vraiment Verdès déguisé là, dedans, sans déconner. C'est qui, un gros bisou à Elodie. Ah, c'est Elodie. Bah, je l'embrasse, Elodie en plus, Jacqueline. Mais c'est vrai que voilà, Elodie, donc c'était bien Elodie Gauthier. Donc il s'est fait passer pour Gilles Verdès. Enfin, c'est un amour bidon. Pas possible. Vous me confirmez bien qu'il y aura Miss France le 19 décembre. Absolument. Voilà, bah, je vous le confirme également, il y aura Miss France le 19 décembre. Ça y est, c'est fait, c'est sûr. Bien. J'ai juste un petit truc à rajouter de cette fameuse conversation WhatsApp et je pense que les principales intéressées se reconnaîtront. Oh, en fait, il y a un livre qui est sorti et c'est important de le dire, il y a un livre qui est sorti, il y a certaines filles qui n'ont pas été représentées suffisamment. C'est vrai qu'on n'a pas ça été... Ça gueule énormément sur mais le WhatsApp. Mais laisse-la finir, vous êtes dans le groupe. Depuis quand il est Miss France, celui-là? Lui, il a été Miss Pif en 86. Oui. Et vraiment, tout le monde n'a pas eu le même nombre de lignes, ni le même nombre de photos, et c'est vrai. Maintenant, Sylvie a essayé de faire ce qu'elle pouvait, elle a essayé de faire au mieux. Vous êtes plus Sylvie ou Geneviève de Fontenay? Non, après, il y a eu... Parce que moi, je n'ai pas montré mon frichetis. Il y a eu la rédaction aussi, au niveau elle de la rédaction. Elle a montré sa chagate, là, moi, je n'ai rien montré. Ils ont coupé. Donc, il y a des filles, clairement, et je pense à Rachel, qui a été vraiment j'adore blessée. Rachel. Elle a été blessée de ne pas être dans le livre, et je la comprends. Mais moi, ce que j'aimerais juste dire, et j'aimerais faire un gros bisou à toutes les filles, c'est que malgré tout, ça reste un concours de beauté. On dit qu'il y a la famille Miss France, mais l'un dans l'autre, les places à la télé sont chères. Bien sûr. C'est une famille, mais en même temps, on a toutes des blessures l'une envers l'autre, parce qu'il y a quand même de la concurrence. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que toutes les Miss, pour une fois, on se voit sans caméra, sans Instagram et tout, et qu'on se fasse vraiment une vraie sortie, bah, pas pour dire, la communication, je peux être là, hein, je peux en être, hein. Pour vraiment créer des vrais liens. Me libérer. Jean-Michel Maire peut se libérer. Moi, j'ai été Miss Élégance, j'ai pas eu besoin de montrer ma chenette. Hein. Non, mais son message, il est beau, son message. Ah oui, il est beau. Je veux dire. Non, mais vous, René, vous n'êtes plus crédible. Dès qu'il y a une belle fille qui parle, son message est beau. Donc arrêtez. Si vous voulez, merci. Elle est crédible, non, voilà. La chose est, moi, ça fait 9 ans. C'est positif ce qu'elle dit. Ça fait 9 ans que j'ai été Miss France et j'ai toujours trouvé ça qu'au final, on se réunissait uniquement pour faire des photos ou des tournages. Et au final, on est toutes, on a de la concurrence l'une envers l'autre. Et ce serait bien, et j'envoie un message à toutes. Puisque ce groupe WhatsApp n'existe plus. Bah moi j'ai été élu Miss Élégance en 68, j'ai pas montré ma schneck.